Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Bonsoir également à tous les internautes qui nous suivent sur la page Facebook de l'Humanitaire dans tous ses états, puisque ce débat est retransmis en direct sur Internet. Syrie, quel espace pour les humanitaires ? Tel est le thème du dernier 5 à 7 de la délégation du CICR en France avant cet été, mais nous reprendrons à la rentrée. Nous sommes grés au CAP de nous permettre d'organiser ce débat et remercions particulièrement Elena Cassa. Un grand merci également à toute l'équipe technique qui vous permettent donc de suivre ce débat sur Internet. Et nos remerciements vont bien entendu tout particulièrement aux intervenants, orateurs qui ont bien voulu accepter de se prêter à ce jeu des 5 à 7. Mais je laisse à Christian Troubet, notre fidèle modérateur, que je remercie aussi, de bien vouloir vous les présenter. Christian, à toi de jouer. Merci Gisèle, puisqu'on est dans les remerciements. Merci aussi à toi pour l'organisation de ces 5 à 7 du CICR, dernier de la saison. Alors Syrie, évidemment, la Syrie, nous avons tous à l'esprit ce qui s'y passe. Nous cherchons à comprendre mieux ce qui s'y passe et en tant qu'humanitaire, nous cherchons bien sûr à aller au secours de ces populations qui, depuis plus d'un an maintenant, subissent donc le joug de ce régime syrien, avec tous ces épisodes de violence auxquels nous assistons et auxquels ONG, mais CICR surtout, porte secours. On viendra évidemment plus dans les détails sur ce qui peut se passer dans ce pays depuis un an. Rappelons, l'ONU le rappelait ce matin, on compte 12 600 victimes dans ce conflit, mi-guerre civile, mi-désordre, enfin comment qualifier, ça fera partie de notre débat de tout à l'heure, et surtout une réflexion autour de l'accès aux victimes, de l'espace humanitaire que ce triste cas syrien représente aujourd'hui. Alors pour nous éclairer, eh bien nous avons à la table ronde pour l'instant trois personnes. Nous serons quatre tout à l'heure. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, nous rejoindra. Mais sont déjà avec nous, et je les en remercie, Joseph Baout. Joseph Baout, donc vous êtes universitaire, vous êtes politologue, vous êtes spécialiste du Liban et de la Syrie et du Proche-Orient. Votre formation initiale était à Beyrouth, d'ailleurs, au CERMOC, bien connu des spécialistes de ces questions-là. Joseph Baout, donc vous achevez actuellement un ouvrage donc sur la question des élites et des relations entre le Liban et la Syrie après la guerre du Liban. On sait que les relations entre les deux pays sont conjointes pour le meilleur et pour le pire. Et vous nous éclairerez aussi évidemment sur le cas syrien. Béatrice Mejvan, donc vous représentez le CICR. Vous êtes chef des opérations pour le Proche et Moyen-Orient au CICR, et vous êtes au CICR depuis 1987, vous avez occupé de nombreuses fonctions opérationnelles sur le terrain et au siège, et donc vous êtes en première ligne aussi de ce dossier syrien pour le CICR. Et Jean-Marie Fardeau, donc directeur de l'antenne française de Human Rights Watch, donc vous êtes dans cette association maintenant depuis 5 ans, après un parcours qui vous a fait vous intéresser au développement, notamment, je pense, à vos fonctions de secrétaire général du CCFD pendant un certain nombre d'années. Vous savez que le principe donc, c'est de ces 5 à 7 du CICR, c'est d'être aussi interactif. Donc nos intervenants, bien sûr, prennent la parole, répondent à nos questions, mais en même temps, je me retourne régulièrement vers vous qui êtes présents avec nous, représentants d'ONG, de structures, d'institutions, pour des interventions complémentaires. Et puis, je voulais maintenant, règle du jeu aussi des 5 à 7 du CICR, vous poser une première question pour laquelle je vous demanderai une réponse assez brève. Hein. Il ne s'agit pas de vous lancer tout de suite dans un grand exposé, mais c'est une question un peu réactive, justement. Et la question, vous l'avez, c'est celle de notre CICR de ce soir. Quel espace pour les humanitaires en Syrie ? Qu'est-ce que cette question même vous évoque ? Et je commencerai plutôt par vous, Béatrice. Tout le monde. Quel espace pour les humanitaires en Syrie? Je dirais que certainement l'espace a été extrêmement restreint jusqu'à présent. Qu'en
ce qui concerne ces misères, on va revenir là-dessus. Il a été, il s'est un peu élargi ces deux derniers mois, je dirais, ces dernières semaines. Il reste néanmoins certainement insuffisant par rapport aux besoins qu'on constate sur le terrain. Voilà. Après, on pourra élaborer sur les différents aspects. Je dirais le constat actuel est certainement celui-là. Jean-Marie Fardeau, du point de vue de l'ONG Droits de l'Homme. Merci beaucoup, Christian, et merci au CICR de nous donner la parole à cette occasion. Un espace, je confirme, extrêmement limité. Si on prend d'une perspective droits de l'homme, c'est-à-dire en capacité d'observation de ce qui se passe sur le terrain, dans toute la Syrie, ce n'est pas nouveau pour nous, puisque cela fait plus de 10 ans que Human Rights Watch est interdit de séjour en Syrie, malgré la présence d'un bureau à Beyrouth depuis longtemps. Et donc, rien de nouveau depuis un an, même bien sûr, c'est plus grave, puisque cette incapacité à aller sur le terrain se passe dans une période où nous sommes particulièrement préoccupés par la situation, même scandalisés par la situation. Merci, voilà, ça va aller beaucoup mieux, effectivement. Et donc, nous savons, on n'a pas pu... Mais il y a un paradoxe dans la situation en Syrie, on va y revenir, j'imagine, ce soir. Rarement, un pays aurait été aussi fermé aux observateurs indépendants, même aux observateurs internationaux, à part depuis quelques semaines, avec les Nations Unies, puis avant avec quelques observateurs de la Ligue arabe, quelques journalistes qui ont réussi parfois à rentrer, parfois au péril de leur vie, et malheureusement au prix de leur vie pour certains d'entre eux. Jamais, je crois, on a eu cet écart entre un pays fermé et puis une masse d'informations considérable dont on dispose par les réseaux des Syriens qui ont su faire sortir l'information. Donc, à la fois cet espace pour des humanitaires droits de l'homme comme nous, si on veut se qualifier que humanitaire, prend en compte également la situation des personnes persécutées, réprimées, torturées, emprisonnés, disparus, et puis surtout les 12 000 qui ont été tués depuis le début. Dans ce contexte-là, notre rôle de droit de l'homme est un travail extrêmement difficile dans la situation actuellement en Syrie. Merci. Alors, même question pour Joseph Baoud. Espace humanitaire en Syrie, votre sentiment ? Bonjour. Bon, merci aussi, merci à tous d'être là. Alors moi, je répondrai un tout petit peu en bottant en touche, puisque je ne suis pas un expert humanitaire, je ne connais pas grand-chose à ces questions. Je suis plutôt ici pour porter un regard d'analyste sur la dynamique du conflit syrien. Et lorsque je regarde la dynamique du conflit syrien, on en parlera tout à l'heure peut-être plus en détail, je suis malheureusement porté à croire que l'espace d'une action d'une action humanitaire est très réduit, puisque ce conflit est, comme vous l'avez dit, et nous allons le redire, se passe dans un huis clos très sanglant, un régime extrêmement cynique, brutal, et qui le devient de plus en plus, et une réalité du terrain qui malheureusement prend des tours de plus en plus militarisés. À cela, j'ajouterai deux ou trois remarques, il me semble, importantes pour notre problématique. C'est que le paradoxe, c'est qu'il y a aujourd'hui peu de possibilités pour l'action humanitaire, mais si l'on prend en considération l'hypothèse que ce conflit va s'installer dans la durée, il y en aura de plus en plus. La deuxième chose, c'est que cette action humanitaire va devoir, et on le voit déjà, se projeter au-delà du seul espace syrien. Je crois qu'on est déjà dans un espace régional d'action humanitaire et de crise géopolitique, c'est-à-dire qu'il y a un espace libanais, turc, jordanien et peut-être irakien. La question des réfugiés en est un aspect, on en parlera. Et troisièmement, je dirais, c'est un point, si vous voulez, d'analyse politique dure, c'est que l'action humanitaire devra à un moment ou à un autre s'articuler. C'est-à-dire que c'est une question qu'il va falloir se poser au niveau à la fois politique et opérationnel. Merci. Alors, Georges Malbruno nous a rejoint. Donc, je disais, Georges Malbruno, spécialiste de ces questions proche-orientales depuis une vingtaine d'années, journaliste ayant beaucoup séjourné sur le terrain et ayant été correspondant à Jérusalem ou à Bagdad et retournant régulièrement sur le terrain. La question est brève, là, avec une réponse brève. C'est une question introductive autour de notre thème. Quel espace pour les humanitaires ? Quel est votre sentiment autour de cet espace humanitaire syrien, vous qui connaissez beaucoup de champs d'action ? Voilà, on va peut-être se partager le micro. Voilà, c'est parfait. Je pense que beaucoup de choses ont été dites sur cette question-là par les précédents intervenants. Je pense que l'espace humanitaire aujourd'hui est quasiment nul,
pas nul, mais presque, hormis les efforts courageux du CICR, du Croissant Rouge syrien, le régime syrien ne tolère pas une action humanitaire d'importance, parce qu'on est dans un conflit qui, à ses yeux, est un conflit existentiel et qui, que pour contrer cette menace, eh bien, tous les moyens sont permis. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'espace humanitaire, on l'a bien vu, toutes les propositions, d'ailleurs, peut-être pas toujours très heureuses, d'ailleurs, faites par, notamment par la France, de corridors humanitaires, n'en ont pas été, ont été vouées à l'échec. Et comme le disait Joseph précédemment, y a un risque effectivement que de contagion sur la région, au Liban, on le voit dramatiquement ces derniers jours, mais également en Jordanie, où je crois qu'on est à plus de 25 000 réfugiés. Donc l'espace humanitaire, c'est vraiment le parent pauvre dans une crise qui est loin d'être terminée et qui risque si le plan Annan avorte, comme on peut le penser et le redouter, qui risque encore de se réduire comme une peau de chagrin, parce que là, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on est déjà dans une guerre civile, mais on pourrait s'y acheminer rapidement si jamais, justement, le seul plan qui, aujourd'hui, sur la table, eh bien, avortait. Donc, on ne peut qu'être pessimiste sur l'espace humanitaire qui s'offre aujourd'hui, voire même demain, en Syrie. Merci. On va revenir sur Joseph Baout pour s'intéresser maintenant aux faits syriens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il faut rappeler de ce régime ? Qu'est-ce qu'il faut rappeler du contexte syrien pour mieux comprendre les deux heures de débat que nous allons avoir ensemble ? Bien, là, c'est une question qui me pousserait à parler indéfiniment, ce que malheureusement j'ai tendance à faire, donc vous allez m'arrêter. Je dirais deux choses. Il y a d'abord un contexte régional et arabe, et il y a un contexte proprement syrien. Donc on ne peut pas dissocier ce qui se passe depuis le 15 mars passé en Syrie de la vague des révolutions arabes, de ce qu'on appelle, je n'aime pas trop l'appellation, le printemps arabe, qui au départ, en fait, a un socle commun, c'est-à-dire la revendication à la fois de justice sociale, à la fois d'émancipation politique, mais aussi tout simplement, et peut-être même tout bêtement, je le dirais sans péjoration, de dignité, c'est-à-dire par rapport à des régimes qui sont devenus insupportables pour un ensemble de raisons. On n'est pas là pour faire un colloque politique, on peut en parler très longuement. En Syrie, ça a pris une coloration, donc ce phénomène-là arabe a pris une coloration très particulière, qui est propre d'abord à la structure du pouvoir syrien, à la structure de la société syrienne, mais qui aussi, et ça c'est un point sur lequel j'aime insister d'habitude, qui a pris une coloration particulière du fait du temps, c'est-à-dire du fait que d'abord la révolution syrienne est survenue après les autres révolutions, c'est-à-dire qu'il y a des leçons qui ont été tirées à la fois par le régime et par la révolution, mais aussi parce que la réalité internationale a changé. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, c'est un des aspects, par exemple que aujourd'hui le refus russe ou la résistance russe à accompagner, disons, une action internationale sur la Syrie ne peut s'expliquer que parce qu'il y a eu le précédent libyen auparavant et que la Russie est sortie traumatisée, blessée, flouée, trahie, comme elle le dit elle-même, par l'action des Occidentaux en Libye. C'est-à-dire que si peut-être le conflit syrien avait eu lieu avant, peut-être que la Syrie aurait été plus heureuse que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Ça, c'est un des exemples. Alors, structure du pouvoir et réalité de l'opposition. Alors, tout d'abord, des remarques très lapidaires, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. D'abord, on est dans un système extrêmement opaque. Il est très difficile de savoir ce qui se passe au sein du système syrien, avant même la révolution, et depuis peut-être une quarantaine d'années. C'est un régime qui ressemble beaucoup au régime les plus fermés d'Europe de l'Est dans le temps. On utilise la métaphore de l'albanisation, c'est vrai. Pour faire de la syrologie, comme on dit, il faut vraiment utiliser toutes les ressources, parfois les plus anecdotiques, de l'observation. Je donne un exemple, on en parlait avec Béatrice Méjevant tout à l'heure. Ça fait une semaine que toute la Syrie et la région bruissent, par exemple, d'une rumeur sur l'assassinat de certains caciques du régime, dont le beau-frère du président. Il est aujourd'hui impossible de savoir vraiment si ces personnes-là ont été attaquées, touchées, blessées, mortes ou vivantes. Et je crois que l'opacité va encore perdurer pendant peut-être deux ou trois semaines. C'est un des exemples.